Qu'est-ce qu'il fait? Il a craqué. Il fait un coup qui n'est pas la tour pie. La tour pie totale et finale. Une tour pie. C'est un mélange entre de la tourbe et une tour pie. Ça se mange sans fin. Oh là là, les Mystical Dodge sont présents ce soir. Heureusement, parce que j'imagine que ce niveau est beaucoup plus compliqué si on ne sait pas en faire. Toujours plus. Ouais, je commence à tomber à court. Hein. Faut que je mange un monsieur. Mais pas lui, lui il est dégueulasse. Lui personne ne l'aime, c'est du bois. Faut le manger lui. Je me respecte. Je me respecte, moi et mon... Je peux le manger? Je peux pas le manger, je me déteste. Prends un cookie. Un cookie ça ira mieux. Tout va mieux après un cookie. Je sais qu'on a eu un pilier... pas loin, juste en dessous, mais... Je pars du principe qu'on en aura un autre dans pas longtemps. J'ai de l'espoir. J'ai envie d'avoir de l'espoir dans ce jeu. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais... Je suis relativement optimiste dans ce jeu vidéo. Alors que je ne devrais peut-être pas. Je peux enlever ça? Un petit peu de brouillard de guerre, comme on dit dessus. Bon, c'est peut-être pas le moment de penser à ça. Alors, où est-ce que j'ai ouvert un truc? Vraiment? Comment ça? Donc là, j'ai ouvert un truc ici. Ah, pour passer au milieu là. Oh là là. Mais quand est-ce que le génie de ce niveau va s'arrêter? Les mecs qui ont designé cette prison, c'est les mêmes mecs qui designent les queues dans les parcs d'attractions, les files d'attente à Disney. Genre vraiment. J'aurais pu bouffer à travers les barrières. Enfin les barreaux. Je pense que c'était possible. J'en aurais été capable. Et je le touchote Jean-Jacques là. Non. Ah non, lui j'ai peut-être pas le touchoté. Ah si. J'ai trois shotés. Il faut pas que je touche avec tous mes cristaux si je veux pouvoir le bouffer derrière. C'est très complexe hein, d'être trop fort. Mais là, je peux passer là. Et du coup, je n'arrive pas du tout à mon pilier. Sauvez-moi. Je suis emprisonné contre mon gré. Normalement, c'est comme ça qu'on utilise le terme d'emprisonné, d'ailleurs. Il ne s'arrête plus. Il fait la toupie. Il est devenu fou. Ok, hein. Oh, oh non, j'aurais pu l'avoir. Non. Jean-Louis, non. Oh, j'ai regagné la vie. Merci, c'est gentil. Jean-Louis. Nickel, hein. Je pense qu'il va falloir remanger un cookie. J'aurais peut-être dû manger un pain, en vrai. Je me suis dit, il y aura bientôt un pilier, mais... Finalement, on l'a jamais eu. On nous ment. On est sorti de la prison. Je suis libre. Libre à nouveau. 84%, hein, approche de la fin du niveau, mine de rien. Bonjour. Ah, des gardes, des gros gardes. C'est bien ça, des gros gardes. Oh, oh non, il bolosse mon oiseau. Oh non. Mais attendez, mais je suis revenu là où il y a le pilier. Ah, je vais peut-être pouvoir retrouver mon premier pilier. Alors là, le retour des grands amours, des premiers amours là. Oh. Un instant émotion. Pour vous, en exclusivité, le premier pilier. Oh non, pas comme ça, pas si proche. Mange-le. Je me fous de connaître sa vie. Mange-le. Ok, c'est bon, on a de nouveau un monde de bienfaits. Maintenant, on les défonce, c'est un cuisson. On met une caméra un minimum utile pour se battre. Bien avant. Une lance de l'usurpateur. Ok, j'ai de nouveau des GKs, hein, je suis bien.
Là, je suis particulièrement bien. Merci pour tout. C'était chaud. Beaucoup d'objets ont été utilisés dans ce niveau, qui n'est pas encore fini. Et là, c'est la fameuse porte qui a été fermée depuis le début. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. J'en suis tout chose. Bon, à mon avis, il n'y aura pas de pilier juste derrière. Mais à mon avis, c'est pas la fin du niveau encore, parce qu'on est à 85% et non pas à 96 et quelques. Clairement, c'est 95 plus. On arrive au dernier pilier. Parce qu'on fait quand même de l'exploration de qualité, quoi, j'ai envie de dire. Je peux pas l'atteindre de là. Je retourne tout en bas. Hein. Choper mon pilier. Je veux mon pilier. Pour choper des G4. Et après on avance. Je pense que c'est pas la fin du donjon. J'espère pas, parce que sinon c'est la fin du jeu, parce que j'aurais pas fait les boss annexes. Et en plus on est bientôt à la fin de la session, donc on va pas s'amuser à faire la fin du jeu maintenant. Je peux pas sauvegarder d'ici, non? Non, c'est interdit. Forcément je revienne pour sauvegarder, quoi. Incroyable. Je vais le setter comme un... comme checkpoint, hein. Bon, bon, j'espère que c'est pas la fin. Mais 85%, c'est genre presque, mais pas vraiment, quoi. Donc, c'est bizarre. C'était étrange. Je parie sur le fait qu'il y a un autre pilier là-bas. Celui qu'on utilisera pour se casser au marais. Ouais, on entend l'autre pilier. À mon avis, c'est lui le dernier. Genre là, on a une zone qui va faire un petit peu plus de pourcentage, et puis on se retrouvera sur les types de scores qu'on a l'habitude de voir. Ouais, la zone a l'air toute petite, là. C'est bizarre. Ça va pas faire tous les pourcents qui nous manquent. Hein. Ou alors j'ai peut-être loupé des zones. Parce que là, ça me semble bizarre qu'on nous remette un autre pilier derrière, pour le coup. Hein. 88%. Est-ce que je retourne à la base? Ou est-ce que je me dis qu'il y a un autre truc derrière? Mais il n'y aura pas un autre pilier derrière, de toute façon. Enfin, c'est inimaginable. Je vais vérifier. On est à Castle Courtyard. Je vais vérifier sur un autre niveau après. Je voulais faire ça au jugé, mais j'ai beaucoup trop peur. Alors... quel est le dernier niveau du chapitre 11? Chapitre 11, alors il y a le Green Corridor, il y a Amataya Rivers, Castle Courtyard. C'est le dernier niveau. Ok. On va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques, on va se casser là, je pense. Parce que là on est presque à la fin du niveau, il doit rester encore 2-3 salles quand même, parce que 88% c'est pas suffisant je pense, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais ça doit pas être des salles significatives, hein. J'ai trop peur de lancer la scène de fin avec les combats qui vont s'en suivre très probablement. Niveau 50. Alors profitons de tout cet équipement, de tout cet XP, du niveau 50. Et voyons si on peut faire les boss secondaires. Alors, par contre, il reste plus beaucoup de temps sur cette session. Donc, je sais pas si on aura le temps d'aller chercher les boss secondaires. En vérité. Il y en a un seul où je sais où il est, c'est l'araignée.
Les autres, je vois les niveaux dans lesquels ils sont, mais je sais pas précisément où ils sont. Je crois qu'on regarde dans une soluce. Alors, est-ce qu'on pourrait chercher? Mais bon. Honnêtement. Est-ce qu'on est là pour chercher? Je crois pas. 948. Donc lui, c'est pareil que lui. Là, j'ai un 959. Et là, j'ai un 1091. On va enlever ça. Pour mettre le 1091. Merveilleux. Ensuite, ça, est-ce qu'on a vraiment envie d'en entendre parler de lui, là? Je ne crois pas. Mais il a augmenté le niveau ou comment ça se passe à 24%? Je savais pas, c'est ouf. Alors. Ensuite. Pas mal d'équipements, là. Magie, slash... un peu de blunt, surtout du slash, hein, au final. Un seul en magie. C'est en 3. Je suis à 1528 et on me propose du 1480. Bon, le truc, c'est que lui est niveau 40, mais 1480, il va pas évoluer beaucoup, donc on va dire non. Ensuite, en blunt. Blunt. En 3, 979. C'est un non. Et ensuite, en slash. En 5, du 1718. 1800, maintenant. Ensuite... En 2, en épique, 1923. Ça va être du 1923 en épique, je le crois bien. 1600, j'ai déjà oublié combien c'était. 1800, donc non. 1700, donc on est toujours sur 1800, donc non. 1500, toujours pas. 1852 ici. Lui, il est à son meilleur niveau. 1852, c'est un rare. On peut monter au-dessus. Donc on va dire oui. 1620, j'ai oublié à combien j'étais. 1900, donc non. Et lui, c'est un blunt. Ah, j'avais pas vu. Comment ça se passe? En 3. Ah si, j'ai déjà vu, ok. Très bien, bon bah, un petit peu d'évolution, pas grand-chose. Mais 2-3 trucs. Donc là on est en 2300, 1200, 1700, ça a un peu avancé quoi, quelques points. C'est pas aussi flagrant que quand on change toutes ses armes vers un nouveau rang, forcément. Mais ça reste bien. Si possible, j'aimerais continuer de jouer Echo, jusqu'à ce qu'on soit au chapitre 12. Ça m'arrangerait, parce que je sais pas s'il y a un autre rang d'armes par la suite ou pas. Et qu'on a du contenu, entre guillemets, endgame. Je sais pas si on va réussir à battre les boss secondaires sans améliorer notre équipement, par contre. Et sans faire de level up. C'est la petite surprise. Hein. La petite interrogation, je sais pas à quel niveau ils sont. Alors je pourrais m'enseigner, mais... J'aimerais tester, en vrai. Ok, cool. 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 Les œufs, les os. Hop là. Notamment de thunes. Alors j'ai les items. C'est merveilleux. J'ai combien de mana? 35 000. Bientôt 36 000. Excellent. On apprécie. Il me reste 10 minutes. Est-ce qu'on pense que je peux battre un boss secondaire en 10 minutes? Je ne sais pas. J'ai un peu peur. Je vais sauvegarder en tout cas. Alors ça me rassure un peu. L'araignée, je sais où elle est. J'imagine que ça doit être le pire des trois parce que c'est le dernier qu'on rencontre. D'un autre côté, si on arrive à battre l'araignée, c'est qu'on est bien. Remarque, ce jeu est tordu donc peut-être pas. C'était où? C'était en dessous du château, l'araignée. Amataya, Old City Ruin ou Catacombe. Je crois que c'est Old City Ruin. Mais je suis pas sûr. Je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier parce que. On va pas avoir le temps de se tromper. On va avoir le temps pour un petit essai comme ça pour le plaisir. Pour vous ce soir. Euh...
Ouais, blablabla. Blablabla, bla bla. Faites une sauvegarde pour les fins, non. Merci. Une fois sur le toit, le combat final. Mais moi je veux pas le combat final. Blablabla. Bla bla. Alors. Deux chapitres de plus vous attendent si, avant d'aller vous frotter aux deux derniers boss, vous vous êtes débarrassé des trois sorcières noires présentes dans le jeu. Vous trouvez ces sorcières respectivement à Old City Ruins. L'araignée que vous aviez croisée. On a sauvegardé avant, hein, on est d'accord? J'espère que j'ai bien sauvegardé avant. Donc, Old City Ruins, c'est la grosse araignée qui fait super peur, là. Qui est juste gigantesque, noire, et avec un buste de Tuffy, c'est Dark Souls, quoi. C'est Dark Souls version sorcière. Réverse au sud-ouest de la porte centrale et au fond de l'Ominous Cavity. En arpentant un chemin accessible en utilisant le Touch Cash Jumpy. Quoi? Attendez. Au fond de l'Ominous Cavity.